Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Dîner pas. Nan souci pour capable remplir yon nan condition que les mêmes gens auprès de population qui se permettent les alimenter en eau correctement dans bon genre condition rivé lancer jodia yon ensemble de travaux qui visaient pour renforcer et étendre réseau métropolitain de Port-au-Prince. Tout ça yo chita en dans un programme qui est le programme Port-au-Prince 3 qui est financé par Banque Interaméricaine de Développement, mais qui gagne pour objectif final, c'est permettre que la population dans la région métropolitaine de Port-au-Prince qui gagne là dans 6 communes, Carrefour, Cité Soleil, Pétionville, Delma, Tabar et Port-au-Prince, rive couvrir en eau potable et gagne une amélioration au niveau distribution et augmenter la quantité d'abonnés que Dîner pas gagné. Démarches ça qui sont démarches de distribution d'eau au niveau des ménages, les fait suite à un projet que DINEPA a clôturé en janvier 2021, qui était le programme Port-au-Prince 2. Côté dans quatre programmes, ça, DINEPA a réalisé des travaux qui étaient assez conséquents, mais qui ont des impacts assez intéressants que la population a bénéficié actuellement. Le programme Port-au-Prince 2 a lui-même un objectif spécifique qui était renforcer la production de l'eau. Donc, DINEPA a arrivé à atteindre l'objectif ça, à travers l'installation physique que nous avons gardée là, à travers l'équipement 8 forages qui est dans la zone Pernier et Croix des Bouquets, à travers pose de plus passer 14 km de canalisation, à travers construction de station de pompage et construction de réservoir en béton armé de Vivi Michel. Ensemble de travail, ça y est, rivé porté une augmentation de 32 000 m3 pour zone Delma, Tabar, Pétionville, particulièrement la route de Frères. Mais tout, il y a un travail qui est fait dans la zone Carrefour qui permet que vous porté 16 000 m3 de l'eau sur le réseau. Après travail, nous avons fait pour réaménager les sources Mariani. Dans une démarche logique, une planification stratégique de DINEPA, puisque le travail est séquencé et phasé, DINEPA qu'on y a après que le fin augmente le réseau, la région métropolitaine, qu'on y a lui-même la passé dans la phase pour mener de l'eau ça qui est disponible dans le niveau ménage. Quand le dit Télusma, qui transversal à deux programmes qui joignent financement Banque Interaméricaine de Développement, à savoir programme qui est le Port-au-Prince 3 qui est dans la région métropolitaine de Port-au-Prince avec quelques zones dans le pays. Hein? Programme Grand Nord qui bien pour avec département nord, département nord-est et département nord-ouest, li fait un bel râler sous sa cap fait dans la région métropolitaine. Dans le cadre de lancement, environ à 9 projets, dans le cadre de lancement, 9 travaux. Ou même qui a une chance de regarder la pita, ou capable de remarquer soit habité dans la zone Publin, Vivi Michel, eh bien, ingénieur avec topographe nous, eh bien, semaine dernière là, il était souterrain déjà à travers film et groupement qui sous contrat avec DINEPA. Eh bien, même travail que nous allons faire à un niveau, à un autre, dans la région métropolitaine, nan, le 20 mai, nous allons lancer dans le centre-ville au Cap. J'aime dire ça devant le président, son excellence, Jovenel Moïse. Nous disons, ville au Cap, il y a environ 15 ans, pour me dire plus de ville là, il y a de l'eau. Le 19 mai, nous allons inaugurer, nous allons faire
mise en service première phase là et en présence de ambassadeur espagnol là et coordonnateur général coopération espagnole là en juin nous va inaugurer. M'a parlé de deux réservoirs chaque gon capacité de 2250 mètres cubes en tout 4450 mètres cubes qui construit et qui gagne des années pas de jamais utilisé de la rue 2 jusqu'à la rue 12 entre les lettres A et L. Eh bien au plus tard 19 mai faut moun yo commencer joindre bloco qui coulait dans robinet la caillou. Reste travaux yo toujours en cours de la rue 12 jusqu'à la rue 24 entre les lettres A et L. Eh bien nous pral faire mise en service ça yo après. Mais son premier message nous te voulait lancer 19 mai pour nous montrer moun yo porter effort que di n'est pas fait dans département nord là pour me pas dire dans grand nord. Travail ça d'autant plus important que dans un contexte extrêmement difficile. Gloire pour l'exister et pour arriver car un monde faut d'abord exister, faut traiter, faut conserver et faut distribuer. Et le fin distribuer, faut le commercialiser. C'est toute chaîne ça pour marcher, qui pour articuler, pour gagner résultat ça. Et l'un parle de environnement, déjà à témoigner, ou bien deux environnements pour gérer. Ou bien environnement social là, parce que nous connaissons des zones qui sont extrêmement difficiles. Ou bien environnement physique là, côté comportement, nous sommes capables de polluer ni dans de l'eau à côté, il n'y a pas de problème pour ni filtrer ni distribuer. Là. Pas dire que Port-au-Prince est construit pour le gain environ 600 000 personnes. Qu'on y a allé à 4,2 millions de monde environ. Ce qui signifie, même aménagement et comportement physique de yo, l'espace ça pratiquement inconcevable. Maintenant, pour bah au lobby au bois, bah au sécurité, bah au manger, ramasser patras, son travail de titan. C'est dans le contexte hein, que je n'ai pas à travailler pour que les gens soient capables de faire effort pour le bas de nos services. Et si vous écoutez DG Edouard, chaque province, nous avons fait une petite visite à Valais, je me dis des fois, directeur, oh, je vais aller aujourd'hui, non, je vais demain, je vais aussi maintenant encore. Tellement de choses pour nous faire dans tout le pays, pour nous travailler dans le contexte extrêmement difficile. Cela dit, pratiquement tout exposé technique et fonctionnel déjà fait déjà par Général Télichman et DG Edouard, au nom du président, au nom du gouvernement, au nom du ministre TBTC, Nader que Martin a représenté, m'a dit DG Edouard à toute sa vie n'est pas. Que n'a pas continué à appuyer, n'a fait un pile effort pour nous aider à continuer avec le projet pour le peuple, la population, satisfaction en termes d'eau potable. Parce que j'aime te dire au commencement, l'eau c'est la vie. Année ça, nous allons organiser le 12e congrès universitaire. Le congrès universitaire qui a fait dans quel contexte. Nous tous nous d'accord et nous tous nous constater comme monde, comme haïtien, comme journaliste, comme citoyen que le pays a un état lamentable. D'ailleurs, grand pile l'autre pays qui par peur déclarer que Haïti c'est un état en faillite. Une crise institutionnelle qui généralisée et
quel que soit côté ou manyen dans le pays, on sentit malade. C'est donc un monde qui est malade dans tout col. Et finalement, par contre, qui côté capable de toucher, qui n'a pas de maladie ça. C'est dans le contexte ça que nous avons organisé un 12e congrès. Un congrès qui a fait pendant que Haïti a traversé une crise politique aiguë depuis environ 3 ans. Une crise politique qui vient gagner des impacts sur tout aspect société. Qui vient faire que en gros, un rien pas marché. Il vient déboucher son crise économique sans pareil. D'ailleurs, Haïti actuellement, c'est le pays qui est pauvre dans toute Amérique net. C'est pays qui a plus de monde qui n'en misait, plus de monde qui n'a pas qu'à manger, plus de monde qui n'a pas de côté priorité. Nous avons payé tout côté depuis environ 2 ans, année universitaire, nous avons gaspillé. Pas gagné progrès intellectuel. État universitaire vient lamentable. Gagné jeune. Depuis environ 3 ans, il y a toujours dans une seule année universitaire. Ou pas senti gagner aucun progrès qui fait. Pas gagner aucun grand rassemblement. Pas gagner colloque. Pas gagner forum. C'est comme si monde universitaire là, il est au point mort. Donc c'est dans un contexte global comme ça que nous lançons le projet 12e congrès universitaire. Parce que il y a des questions fondamentales qu'on est là, en la société, là, même si tout le monde pensait que toute bagaille revient dans la dérive, il y a des questions que l'on doit poser. Côté université, il y a passé, qui recherche, qui a fait actuellement dans le pays d'Haïti, côté professeur université, yo, qui réflexion qui a fait, qui orientation qui a passé et bail au niveau de centre universitaire pour que jeunes soient capables d'affronter la situation actuelle. Et qui rôle université a capable de jouer, je dis à nos pays, côté toute bagaille à la dérive, côté tout le monde pensait que pas de possibilité encore pour nous relancer. Nous. Donc c'est un contexte ça, Archidiocèse Port-au-Prince, à travers organes qui relaient pastoral universitaire, hein, pour les capables pousser réflexion universitaire, hein, pour les capables également motiver le monde universitaire hein, pour jouer le rôle qu'ils doivent jouer dans un pays tant que Haïti en situation. Hein, pour l'Église capable de pousser les jeunes à la réflexion, lui proposer le 12e congrès universitaire. Hein. C'est un congrès qui a fait autour de thèmes crise politique en Haïti, enjeu sur la vie universitaire. Vous prenez le thème là. Crise politique en Haïti, enjeu sur la vie universitaire. Et pendant 2 jours, l'Église l'a proposé 300 universitaires pour y réunir, pour y réfléchir. Et l'Église là a arrangé pour le prendre en charge totalement tout frais qui marchait avec événement ça. Nous arrangé pour que 300 universitaires ça qui a sorti dans ville de province n'a hébergé sur place dans l'hôtel Le Plaza. Nous arrangé pour que toute universitaire yo restaurer également sur place dans même espace là. Et même espace là tout n'a permettre grâce avec système n'a mettre en place des étudiants qui étaient en province, des étudiants qui à l'étranger pour capable participer à travers réseaux sociaux, à travers Zoom en dans grand congrès universitaire ça. Son congrès qui a déroulé sous thème crise politique en Haïti, enjeu sur la vie universitaire. C'est un congrès qui a déroulé qui a eu 4 panels. À raison de 3 panels dans le jour samedi et un panel dans le jour dimanche. Pour le premier panel, là, nous avons traité premier, comme premier sujet, analyse des différentes crises qu'a connu Haïti. À travers le panel, ça,
Nous allons regarder à travers l'histoire plusieurs crises qui ont traversé Haïti. Et pour parler de ça, nous avons bien des historiens, nous avons bien des sociologues et nous avons bien des juristes qui ont traité ce sujet ça avec nous. Dans le deuxième panel, là, nous avons bien la problématique de l'insécurité en Haïti. C'est un panel qui a regardé la question d'insécurité en Haïti. Nous avons bien des experts en sécurité, nous avons bien des sociologues et nous avons bien des politologues. Dans le troisième panel, là, nous avons regardé la vie universitaire au regard de la crise politique en Haïti. Côté que nous allons regarder la vie universitaire, là, comment que crise politique là l'y influencer, comment qui impact crise politique là l'y fait sous la vie universitaire. Et quatrième panel là, nous avons bien des propositions et perspectives. Dans le panel ça, c'est là nous allons faire des propositions, nous allons faire des propositions et dans le fait progrès là, nous avons bien un rapport côté que un groupe membre commission intellectuelle dans la pastorale universitaire là qui a fait partie du secrétariat congrès là. Côté que nous allons apprendre depuis samedi et dimanche. Et c'est jeudi dimanche là, a gagné un rapport. Côté que nous allons bailler toute réflexion, nous allons condenser pour que nous proposions société, mais qui ça nous-mêmes en tant qu'universitaire, mais qui ça universitaire, yo, professeur, yo pensée de crise là et qui met qui solution que vous proposez. Pour nous traiter, pour congrès à même, nous avons gagné 12 professeurs d'université avec nous. Et parmi 12 professeurs, ça, yo, nous avons cité Sterling Ulysse, Jean-Casimir, Chenet Jean-Baptiste, Vosges Datus, respectivement, c'est des sociologues, c'est des historiens, c'est des géographes, c'est des politologues. C'est des gens qui ont bien réfléchi avec nous en tant qu'universitaires, qui ont bien avis sur sujet, sur préoccupation qui gagnent dans la société haïtienne. Donc, nous, après des temps universitaires, nous après des temps la presse pour venir couvrir qu'aucune chaîne événement ça, université ça qui a fait dans le Plaza samedi et dimanche 8-9 mai 2021. Nous connaissons que le moment n'est pas facile pour nous tous et nous chaque, surtout lors parler de Fatima dans le bicentenaire, chapelle 16, n'est pas toujours facile. Des gens l'ont dit bicentenaire, ils mettent deux mains en tête. Et c'est toujours avec un pile inquiétude nous aborder, surtout zone ça. Les yo présenter nous une activité qu'a fait là-dedans. Moi-même, je viens dire nous matin, pas de trop grande inquiétude pour nous venir la prière dans Notre-Dame de Fatima, chapelle 16 dans bicentenaire. Pour qui ça? Parce que la zone côté nous, c'est une zone qui chargée d'activité régulièrement chaque jour, matin, midi et soir. C'est dans la limite BRH, BNC, c'est là qu'on a fonctionné. Toujours des gens qui viennent quotidiennement. Et l'église a toujours rempli avec nous là-dedans. Alors c'est pour vous dire que nous attendons nous toutes et nous chaque pour expérience ça que nous avons fait avec Maman Marie Notre-Dame de Fatima, surtout dans une situation difficile ça, pour demander bon Dieu pour le faire quichoy pour le pays d'Haïti. Alors, et nous avons 9 jours de prière qui a commencé le 6, qui a fini le 14. C'est en préparation à la fête. Et fête là, l'a célébré le 15. Et jour 15 là, nous avons deux messes dans le matin, une à 7h, une à 9h. Et à midi, nous avons une procession. Procession ça, je qualifie une procession de spéciale. Pour qui ça fait une procession spéciale? Parce que le moment ça est difficile. La pion moyen pour nous exprimer à la fois souci nous, contrainte nous. Nous avons même dit tout ça nous porte dans le cœur, nous, dans le corps, nous, dans l'esprit, nous comme espérance. By bon Dieu, par l'entremise Maman Marie, Notre-Dame de Fatima. C'est peut-être ça qui fait que, dans la possession ça, n'a pas le mettre un maillot spécial. Maillot ça, l'a écrit Maman Fatima, délivré Haïti. Et parallèlement, nous tous, n'a pas gagné un petit drapeau Haïti. Non, mais nous, d'ailleurs, c'est à la veille, 18 mai, c'est à 15, environ 2 ou 3 jours avant la fête du drapeau, n'a pas gagné un petit drapeau, non, mais nous, cap drapeau Haïti. Pendant notre marché depuis sorti bon paroisse Saint-Louis en France pour nous descendre sous la rue, nous descendre dans rue des Casernes pour nous venir dans l'église là dans Notre-Dame de Fatima chapelle Sixtine. Mais parallèlement encore ou bien surtout dans jour 9 nan n'a bien messe dans matin à midi et si possible n'a bien messe dans après-midi à 3h. La direction centrale de la police judiciaire n'a toujours pas remis son rapport définitif. 8 mois après, les portes du tribunal de première instance de Port-au-Prince sont fermées. Celles des cabinets d'instruction également.
Le tribunal est donc dysfonctionnel et les avocats ne peuvent fréquenter les lieux sans risquer leur vie. Faudrait-il enfin voir dans cette situation un empêchement à l'aboutissement de l'enquête? Tout en attendant que la lumière soit faite sur les événements du 28 août et que les autorités étatiques manifestent leur bonne foi pour que justice soit rendue à M. Monferrier-Dorval, le Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, bâtonnat 2019-2021, a obtenu plus de 3000 signatures, tant à Port-au-Prince qu'à l'étranger, sollicitant la création de la Commission internationale d'enquête indépendante en vue d'une bonne instruction du dossier et de l'arrestation subséquente des auteurs intellectuels et des exécutants. Nous ne faiblirons pas. 8 mois d'une exigence continue de justice pour que l'impunité ne soit pas de règle de notre société. Ceux qui ont conçu, planifié et fait exécuter le bâtonnier Monferrier-Dorval le 28 août 2020 n'ont pas seulement attenté à la vie d'un homme, mais ont fait violence au fondement d'un pacte social pour le respect de la vie et de la dignité humaine. Ils n'ont pas seulement ourdi un complot contre une personne, mais contre un des fondements de l'état de droit. Ils n'ont pas exclusivement conspiré contre un bâtonnier, mais violenté la fonction attribuée à l'ordre des avocats comme gardien du périmètre du droit dans son ressort, ce conformément aux principes de base adoptés par les Nations Unies en 1990 relativement au rôle du barreau en ce qui concerne le respect des normes établies. 8 mois après, et il devient de plus en plus malaisé aujourd'hui de dédouaner les autorités de leur immobilisme. 8 mois après, et il devient de plus en plus difficile de les absoudre du manquement à leurs obligations constitutionnelles de garantir le fonctionnement régulier des institutions et de mettre en place les conditions nécessaires au maintien de la justice conformément aux principes de base onusiens relatifs au rôle du barreau. 8 mois après, et il ne nous est plus possible de discriminer aujourd'hui entre le déni de justice et le pur mépris pour la règle de droit. Le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince continue de faire un suivi scrupuleux de l'évolution du dossier, car son combat n'est pas une réaction de conjoncture, mais un pari pour le respect des valeurs républicaines. Le traitement du dossier sera le miroir où les parquetiers, les membres de la police judiciaire, les juges et les autorités concernées, l'exécutif, contempleront leur vrai visage. D'aucuns s'interrogeront sur le sens de ce combat obstiné. C'est qu'une telle lutte dépasse l'événement en lui-même, c'est qu'elle est commandée par une exigence indépassable, tant qu'il y aura des avocates et des avocats attachés viscéralement au respect de la règle de droit, et tant qu'il existera des femmes et des hommes épris de justice. Le Conseil ne faiblira pas dans sa quête pour que justice soit rendue au bâtonnier Monferrier-Dorval. L'entraide judiciaire et la coopération internationale, que peut-on en penser? La mondialisation, l'essor technologique et la facilité avec laquelle l'on peut désormais déplacer d'un point à un autre sur le globe font qu'à bien des égards, la Terre est devenue un village planétaire. Cette évolution a un impact considérable, ou radical même, sur de nombreux aspects de la vie et de la société, changement qui affecte quasiment tous les pays du monde. Dans ce village planétaire, l'émergence et l'expansion de la criminalité transnationale placent tous les systèmes judiciaires face à de nouvelles difficultés. Les délinquants sont mobiles et s'efforcent d'échapper à la détection, à l'arrestation et à la sanction en franchissant des frontières. Ils échappent à la capture en profitant de ces frontières et en misant sur quelquefois la réticence fréquente des autorités à engager des enquêtes et des poursuites transnationales qui sont souvent complexes et coûteuses. Les moyens dont dispose chaque pays, pris isolément,
pour faire face à certaines de ces menaces nouvelles ne sont pas suffisants, ce qui se traduit par une faiblesse généralisée du système international de coopération en matière pénale. Pour les pays comme Haïti, dont la justice est relativement démunie, ces difficultés paraissent parfois insurmontables. Aujourd'hui, en matière de criminalité, l'efficacité de la répression est loin, vraiment loin de reposer uniquement sur les règles délimitant dans chaque pays la compétence même de la loi nationale. La mise en commun, ou je dirais même la juxtaposition de ces règles, laisse en effet dans la répression d'importantes lacunes qui ne peuvent être comblées que par la mise en place de procédures de coopération internationale, dont l'une des plus connues aujourd'hui, c'est l'entraide judiciaire. L'entraide judiciaire, par définition, est une démarche au cours de laquelle un État demande ou fournit à un autre État de l'aide pour recueillir des preuves dans le cadre d'enquête ou de poursuite pénale. Cette assistance est fournie en réponse à une demande fondée soit sur un traité, sur des accords ou sur des dispositions législatives réciproques ou encore sur la courtoisie internationale. Plus loin, j'aurai à vous parler un petit peu de la courtoisie internationale, de ce concept même. Mais dans la plupart des cas, la demande peut provenir d'un organisme de l'État requérant qui est chargé des enquêtes et des poursuites. C'est-à-dire qu'une telle demande n'a pas nécessairement à être présentée par les autorités judiciaires. En général, l'entraide peut être directement assurée par un organisme ou des organismes centraux de l'État ou des deux États, et souvent cela se fait par l'intermédiaire des ministères de la justice. C'est cet aspect de l'entraide qui en est fait un mécanisme de coopération efficace. En effet, la demande d'entraide peut être transmise directement sans passer par la voie diplomatique ou d'autres intermédiaires, contrairement à la commission rogatoire internationale ou à l'extradition qui, pour s'exécuter, doivent indubitablement passer par le couloir diplomatique. Voilà. Et merci avec tout le monde qui est branché. Écoutez, attendez des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de vous abonner avec la chaîne. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour être capable de jouer nous. Son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.